Encore un combo? Ah bah oui, encore un, ça valait le coup. Salut, c'est MX Trucker. On va aller vite, hein, parce que ça change pas grand-chose par rapport au combo précédent. Enfin, quoique, on va le voir, il y a deux, trois petites choses à modifier. On a ici sous les yeux la nouvelle carte Red Sea, voilà, qui s'étend et qui va bien plus au sud, mais surtout qui perd quand même pas mal de villes dans cette région-là. Alors la raison est très simple, ProMod avec le Middle East, eh bien descend vers le sud et va vers l'ouest, ce qui fait que, bah voilà, pour ne pas enlever les parties nouvelles de ProMod, Red Sea a dû sacrifier certains de ses secteurs. Mais bon, il y a encore de la route à faire, il y a encore pas mal de choses. La deuxième chose, pour ceux qui ont chargé le combo V4 hier, j'ai fait une petite erreur, une inversion en fait entre Macédonia qui est ici et puis la carte des Balkans. En fait, il faut les changer de place tout simplement parce que sinon vous n'aurez pas eh bien, cette route de connexion qui est là entre Tyranée et puis Elbasan. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais bon, tant qu'à faire, autant mettre les choses dans l'ordre. Et on va le voir tout de suite dans l'ordre de chargement. Pas de changement tout en bas, on a toujours Java Road Revolution, A7 c'est modèle 2, A7 c'est modèle 1, le DefMap File. Nous avons ensuite Road to Asia A7 modèle 1 et le DefMap File aussi. EurAfrica en version 1.6 avec le fichier mode mat et def. Alors def, nous avons la possibilité ici de choisir entre deux fichiers def, soit le Cargo Pack que j'ai créé en association avec GMC et qui vous propose d'avoir des doubles remorques sur la carte. Alors par contre, EurAfrica, voilà, c'est pas de l'autoroute bien plate, donc parfois ça peut être cocasse. Et puis pour ceux qui ne veulent pas trop prendre de risques, vous avez toujours dans l'archive le fichier def normal. Libre à vous de charger celui-ci ou celui-là. Mais bon, celui-ci est un peu plus compliqué, un peu plus de challenge. C'est pas mal non plus. On continue. RusMap en version 2.44, le fichier def. Puis ProMods Assets Package. Modèle Package 3, 2, 1. Le Media Package, le Map Package et le Definition Package. Et les changements commencent vraiment ici. ProMods Middle East Add-on Assets Package et le DefMap Package. Et juste au-dessus, nous avons le Red Sea Assets et le Red Sea Map, donc en version 1.4.1. Ensuite, nous retrouvons ici Corfu et the Greek Islands, le fichier modèle et le fichier DefMap ProMods version. Surtout, ne mettez pas celui-ci, même s'il s'appelle DefMap, il est aussi dans l'archive, mais celui-ci est vraiment dédié à ProMod. Viva Malta, Yan Mayen et encore d'autres changements ici. Macedonia Rework Material and Assets, puis le, pardon, le Rework Map, le Rework Definition ST pour Spécial Transport. Si vous n'avez pas le DLC Spécial Transport, mettez l'autre fichier définition qui est dans l'archive. Le Project Balkan Assets and Package, le Map Package, le Dev Package. Ensuite, on retrouve Finnmark, on retrouve Iberia, on retrouve Latvia, les trois autres fichiers de RusMap, modèle, modèle 2 et Map, et le fixe de RusMap. Au-dessus de ça, nous avons Kirov et le Kirov CapFix. Ici, nous avons un fichier qui a été créé conjointement par GMC et par Arias de Roe Extended. C'est une option, mais vous pouvez le charger. Il apporte une grande diversité en termes d'AI. Vous aurez des camions, des remorques, des ambulances, des voitures de police qui vraiment sont propres à la Roumanie. Sinon, pour ce qui est de Roe Extended, vous avez ici le fichier numéro 5 Assets, le fichier numéro 2. Qu'est-ce que je veux dire? Le 5 assets, le 4 modèle 2, le 3 modèle 1, le 2 préfab et le 1 def et map, et le nouveau RC hybride que nous avons eu depuis hier. Nous avons ici Roe Extended English City Name, le AZGE add-on, puis ITA Revamp, Paris Rebuilt, Sud de la France, Bulgarie, le Scale Hack Disable, alors qui permet de, on va dire, de refaire le dimensionnement du fond de carte, du background. Il y avait notamment au Royaume-Uni un décalage lorsque l'on utilisait ProMod. Donc utilisez ce fichier-là avec ce background-là qui vraiment est très bien fait et très complet. Puis le full screen warm map si vous le souhaitez pour avoir la carte en plein écran et le tour sera joué. Voilà, j'ai essayé d'aller vite puisque ce map combo ressemble beaucoup au précédent, même s'il y a quand même des différences assez majeures avec Red Sea, avec Macédonia et avec Balkan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'accorder des pouces positifs, des likes pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, bah, je vous encore une fois vous souhaiter une très bonne route. Ciao!
One more map combo with Promods. Greetings, here is MX Trucker. One more map combo because a new map just arrived. This is the new Red Sea map that changed a lot. We can see that it's going very far now in the south. But also there are many cities that has been cancelled in this area. The reason is easy. Middle East add-on is going to the south and to the west. And Terra Maps managed to set his map with this new condition in this area. So here it is. Red Sea map is a very nice map. In this way, we have to load it. Something else about the combo that I suggested yesterday, the V4. I've made a mistake, in fact, between the Macedonia map here and the Balkan map here. We have to place it in a different load order than what I've done yesterday, and the reason is easy. It was removing the road between Tirana and Elbasan. So let's see now directly the load order. Here we still have Javarod Revolution GAA assets and Model 2 assets and Model 1 and the Defan map. Then the Road to Asia assets, Model 1 and Defan map file. This is EurAfrica 1.6, number 3 mod, number 2 mat, number 1 def. And as you can see on the pictures, there are several. Don't mind this one, it's not available yet. You have here two def files, and you can choose this one that has been created in association with GMC, staff of GMC, and that will allow you to have double trailers in a company, in EurAfrica's company. It may be hard to drive on the map with this, so if you want to take it easy, just load this def file. But this one is interesting in a way that it's a real challenge at times. Up to you. Then we have here Rust map def and Promods assets package, models package 3, 2, 1, media package, map package, and definition package. Yesterday we had the Promods add-on assets package and the Promods Middle East add-on def and map package. And these are the two new files for Red Sea map, the Red Sea assets and the Red Sea def and map file. Version is 1.4.1. We have some other changes on top. First of all, we get here Corfu. This is the model file and the def and map file, the Promod version. Don't make the mistake, because there is another def file in the archive that is not written. It's not written Promod, so use this one. Viva Malta, Yan Mayen, and then here I'm changing the load order of Macedonia rework materials and assets, then rework map and the rework definition ST for special transport. If you don't have the DLC special transport, use the other definition file that is inside the archive. And the difference between this combo and the previous one, just place Project Balkan on top of Macedonia. If you did not listen to the video from the beginning, go back and you will know why. So here is Balkan assets, Balkan map, Balkan def, and then we get Finnmark, Iberia, Latvia, Rust map model, model 2 map, and the fix. And then we have here Kirov and Kirov cap fix. I'm using here the ROX media that has been created also by GMC in association with Arias from ROX Extended. It's an option, but use it because it's bringing trailers, trucks, ambulances, police cars, many, many AI, typical from Romania. Then the ROX map in itself, number 5 assets, number 4 model 2, number 3 model 1, number 2 prefab, and number 1 defend map. If you want to use the free version of ROX Extended, the load order is the same. We have also the hybrid number 2 that came yesterday also. It's created by Arias again. Then we got ROX English City Name, the SAG add-on. Ita Revamp, Paris Rebuild, Sud de France, BG Plus. This is a small map, but interesting map by Omni from Bulgaria. I'm using also the Scale Ag Disable, and it will allow you to have, for example,
Iceland from promos that is not in the sea anymore, and the same for the Middle East. Then I'm using the world's combined background map and the full screen world map to watch my map 100% sized. Here it is for this map combo. I've gone as fast as possible because it's almost the same combo than yesterday, but there are some differences, major differences, as you have seen. Thanks to give me thumbs up if you appreciated the video. Thanks to subscribe to my channel if it's not done. See you very soon. Ciao.